Et salut à tous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui, on a un nouveau pack qui est désormais disponible dans la boutique d'objets quand vous descendez juste en bas, le petit pack Cyber Infiltration. Le petit pack que j'attendais avec impatience puisqu'il est plutôt stylé là, comme vous le voyez. Il a les effets des skins animés. On a plusieurs petites choses avec ce pack. On a le premier pack qui contient les skins et leurs variantes. Et le deuxième pack qui contient tout simplement les pioches. Alors c'est dommage que le pack soit séparé en deux, ils auraient pu mettre les deux ensemble. Comme vous le voyez à l'écran, c'est pas un pack qui s'achète en euros mais bien en V-Bucks, donc c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre notre petit code créateur Bokuni dans la boutique, ça nous aiderait énormément et ça nous ferait énormément plaisir, donc merci vraiment à ceux qui le feront. Et bien sûr, on achète tout le pack en entier pour ceux qui aimeraient voir le gameplay de ces skins, je vous les mets à la suite de l'outro. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce pack? On a le skin Fi Shiguza, on a le petit sac à dos Lapinou Gator, plutôt sympathique. On a le skin Megumi avec son petit sac Petit Chien. Et on a le skin masculin Yuki avec son petit sac Loup Hacker. Et on a le pack de pioches qui va avec, donc les mots tranchants. On a la pioche contestataire et la dernière petite pioche qui est la trancheuse. Ensuite, on passe directement dans le casier pour découvrir ça d'un petit peu plus près. Donc on commence par les skins vu que c'est ce qui nous intéresse le plus. On a le petit skin Yuki qui a une variante supplémentaire. Donc on a Yuki avec sa capuche et Yuki sans sa capuche, qui est d'ailleurs bien mieux avec le petit casque apparent, etc. Donc là on voit plutôt grosse veste, etc. J'ai l'impression que c'est des gros skins, donc un petit peu compliqué à jouer en game si vous voulez vraiment tryhard, mais ils sont plutôt sympas. Ensuite on a le skin Megumi qui n'a pas de variante, mais on voit là il y a pas mal de petits tatouages. Elle est plutôt sympathique aussi, elle ressemble un petit peu à Tentina au niveau de la forme, je dirais. Et on a le skin Shiguza qui a la petite casquette qui ressemble un petit peu à un style militaire. Alors comme je vous ai dit, malheureusement j'ai vraiment l'impression que ces skins sont plutôt gros. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces skins les gars dans les commentaires. Ensuite on passe rapidement au sac à dos. Donc le premier sac c'est le loup hacker avec le petit casque ici, le petit loup sur le côté. Le deuxième sac c'est le lapinou gator avec un lapin dans le dos, le petit pistolet juste ici. Et le dernier sac à dos, c'est peluche, donc petit chien avec le gros katana dans la bouche. Et franchement, ce sac, il est vraiment ultra stylé. Et je vais pas vous le cacher, mais c'est le sac à dos de ce pack que je préfère. En plus, il a le petit katana, c'est une petite peluche qui la tient. C'est plutôt sympa. Et enfin, on termine par les petites pioches. Donc, on a la pioche trancheuse qui a une variante. Donc, chaque pioche a une variante. On a la double pioche et la pioche normale, donc qui en forme qu'une seule. Donc, franchement, les doubles pioches, elles sont ultra stylées. On a la pioche Shul qui est aussi plutôt sympa. Je préfère quand elles sont en double honnêtement. Donc là on a deux katanas dans la main et là on a directement une grande pioche. Et pour la dernière pioche on a les mots tranchants. Donc là pareil double pioche. Donc on a deux petites haches et là on a une grosse pioche directement. Je trouve ça plutôt sympathique le fait qu'il nous ait mis une pioche mais que pour chaque pioche on ait une variante. Donc soit on joue les doubles pioches soit on joue la pioche normale. Sur ce les gars, comme d'habitude je vous mets le gameplay de ces skins, de comment ils rendent en jeu directement à la suite de cet outro. Si vous avez aimé et apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires ce qu'on pourrait améliorer quand on présente les skins. Voilà, si vous voyez des petites choses que vous aimeriez voir un petit peu plus, un petit peu moins, etc. Sur ce, je vous laisse. À plus et à la prochaine.
Ah!